Yo tout le monde, c'est Kéléra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur 16 personnalités, donc c'est un petit test facile et simple à faire sur internet, je vous mets tout en description, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce test? C'est un test de personnalité. Donc je vais vous lire, nos lecteurs disent que les tests de 16 personalities est si exact qu'il fait un peu peur. Apparemment ça serait un test justement pour voir sa personnalité. En fait il y a plusieurs questions qui... Alors apparemment déjà le test, apparemment il serait super fiable, c'est fait par des professionnels et tout. Donc j'ai vraiment hâte de tester pour voir, il y a plusieurs questions je pense du domaine, enfin qui vont être posées personnelles et autres. Et on va devoir y répondre le plus honnêtement possible et du coup ça va donner notre personnalité. Apparemment c'est pas un fake test, c'est un bon test. Donc du coup on va voir si je suis un peu comme le maître de Split, donc c'est à dire si j'ai une personnalité de tueur ou quoi, non je ne sais pas. Donc du coup on va commencer tout de suite, hop. Répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Ok, donc on va vraiment essayer de se concentrer et on va voir ce que ça va donner. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Alors, est-ce que j'ai des difficultés à me présenter à d'autres personnes? Bah, en fait, ce qui est le plus drôle, et je pense que c'est pour certains youtubeurs comme ça, en fait, quand on est derrière notre caméra, à tourner des vidéos et tout ça, ça va. En fait, on est vachement à l'aise. Et par contre, ouais, dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué, en fait, parce qu'on n'est pas derrière une simple caméra, on est en face de personne. Donc, est-ce que j'ai des difficultés à me présenter à d'autres personnes? T'as un événement et que d'un seul coup, tu dois te présenter devant des dizaines ou des centaines de personnes. Moi, je dirais, allez, un petit point d'accord. Souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez... Ah, ça arrive. Ça arrive. Un point encore. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors ça, je supporte pas ça, je suis à fond. Je ne supporte pas quand une boîte mail est organisée, j'ai des tocs. Je vais vous les montrer à la fin de vidéo, vous allez voir, c'est très très drôle. Bah, je vais vous le montrer maintenant, vous allez voir, les tocs que j'ai, c'est affolant. Je vais vous montrer déjà sur mon téléphone, vous allez comprendre tout de suite. Alors, déjà regardez sur mon téléphone, il n'y a rien qui traîne. J'ai des tocs par rapport à ça, il n'y a rien qui traîne sur le téléphone. Si on ouvre les applications, tout est rangé dans les fichiers. Et si c'est pas rangé dedans, je pète un câble. J'ai toujours besoin que tout soit très organisé. C'est comme dans la vraie vie, pour faire le ménage ou des rangements. J'ai toujours un rangement très ordonné, c'est toujours comme ça. Et là, je vais vous montrer du coup mon bureau. Voilà, donc du coup mon bureau, vous voyez, en fait, il faut toujours que ça soit très bien organisé. Donc comme vous voyez, j'ai ma corbeille en haut qui est pleine. D'ailleurs, il faut que je regarde 2-3 trucs avant dedans. J'ai mon dossier record en forme de donut. Et je ne supporte pas les... je ne supporte pas en fait les icônes basique de Windows, il faut toujours que je les modifie, c'est plus fort que moi, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc du coup en fait j'ai mon logiciel de record, licorne, que contient licorne, c'est tous les documents en fait, donc je l'ai appelé comme ça, Kikiland, donc la chaîne secondaire, d'ailleurs les vidéos vont reprendre prochainement, vous inquiétez pas, vous êtes très très nombreux à me demander quand est-ce que je reprends les vidéos dessus, c'est juste qu'il fallait le temps, voilà, que je me remette bien avec le nouvel appartement. On a des problèmes de connexion, je suis censée avoir des VDSL 2 alors que je n'ai même pas de la DSL, donc du coup je suis chez Bouygues et ils sont actuellement en travaux jusqu'au 9 comme par hasard, donc du coup j'attends que les gars reviennent pour leur défoncer la tronche, parce que du coup ça handicap encore le système de vidéo, je suis encore obligée d'upload la nuit, donc ça c'est un peu embêtant. Et ensuite bah Kéléra Cooper, bah du coup c'est la chaîne principale qui contient tout, pareil normalement pour mes dossiers, voilà. C'est rangé, voilà, il faut que moi ce soit comme ça, divers, vous voyez j'ai pas grand chose, montage, voilà, j'ai tout qu'elle a, Fraps, Logitech, Action Mirrorless, Audacity, voilà, tout est principalement là, mon PC, faut savoir que c'est mon PC pour mes vidéos, donc du coup il n'y a rien d'autre que des choses en rapport avec les jeux vidéo, je déteste les ordinateurs bordéliques, c'est comme quand je vois à chaque fois sur l'ordinateur d'Anto ou de potes, quand je vois tous les icônes partout. Mais je suis hystérique. Dites-moi derrière votre écran si vous êtes comme moi, si votre bureau il est toujours bien rangé, ou non, au contraire, justement, si vous, c'est le gros dawa et qu'il faut que je débarque, c'est vous pour tout ranger. Question suivante. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. De base, je suis quelqu'un de très sanguin, moi. Si tu commences, voilà, à me faire chier, enfin, il va falloir 2 secondes pour que je te rembarre. Et du coup, quand il y a des situations, genre... qui te mettent en pression quoi, c'est vrai que j'ai tendance à... en fait c'est bizarre,
pour me concentrer, avant j'avais pas ce problème, mais ces derniers temps j'ai de plus en plus. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive aussi. En fait, pour me concentrer, genre, il faut qu'il y ait vraiment un grand calme et pas qu'il y ait tout le monde qui parle autour. J'arrive pas à me concentrer. Il y en a qui arrivent, avant j'y arrivais, maintenant j'y arrive de moins en moins. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la vieillesse, mais du coup j'y arrive de moins en moins. Et là, c'est vrai qu'admettons, si je dois faire quelque chose et j'ai une certaine pression, ce qui m'arrive parfois pour mes vidéos, j'arrive pas à être sereine. Ça y est, je me mets pas angoissée, mais j'ai un espèce de système de panique. Il doit avoir le kiki panique à l'intérieur et du coup qui augmente. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal. Donc ça, je vais mettre 2 points. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Oh, ça, je suis pas d'accord. Hein. Hop, 3. Ah, ça, je suis pas d'accord. Je suis la première à balancer des conversations. Je déteste quand t'es avec tes potes, ta famille ou autre. J'allais dire ton chien, mais non, c'est compliqué d'avoir une discussion avec lui ou le poisson rouge. Hein, tu fais comme tu veux. Je ne supporte pas quand il y a des blancs. Je ne supporte pas ça. Du coup, je suis sans cesse en train de lancer des conversations non-stop. Il faut toujours que je meuble le truc. C'est comme les repas de famille ou les repas de famille la plupart du temps sans télévision. Oh, les repas de famille comme ça. Moi, je peux pas. Enfin, moi, quand il y a pas le choix, enfin, quand la personne veut pas mettre la télé, bah oui, tu vas pas te mettre à gueuler. Mais en fait, je ne peux pas. Moi, ça me stresse. Je déteste. T'entends tout le monde en train de clapper à table avec ses couverts et tout. Je n'aime pas ça. Ah ouais, j'aime vraiment pas ça. Donc ça. Non. Donc je suis tout le temps sans cesse en train de meubler, de faire des conversations et autres. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Là par contre je serai en mode neutre, je suis désolée. Bon, je vais mettre 1 point de ce côté là, mais bon, je serai quand même en mode neutre. Vous sentez supérieur aux autres. Tu vas descendre hein, le truc, c'est ce personnalité.com là. Tu vas descendre d'un ton hein, parce que ça va. Je suis pas la reine belle, la reine. Je buguais. Je voulais dire la reine d'Angleterre. Je suis la reine belle. Alors, vous vous sentez supérieur aux autres? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne me sens pas supérieur aux autres. Et je pense que personne n'est supérieur aux autres. On est tous des êtres humains. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui me fait toujours marrer. Une fois, j'avais un rendez-vous. Et du coup, j'étais grave en train de stresser. Et on m'a dit, Enfin, c'est pas parce que la personne, genre, elle touche plus d'argent que toi. Ou elle vit mieux que toi. Qu'elle est supérieure à toi. Dis-toi une chose, la personne elle chie et elle pisse comme toi, elle mange comme toi et elle fait plein de. Et c'est un être humain. Donc en fait, voilà, pour moi personne ne doit être supérieur aux autres, on est tous à égalité. N'hésitez pas d'ailleurs à faire le test hein, de sciencespersonnalité.com et dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez eu, vous. Alors vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Ah bah alors ça, oui, ça, paf. Motivé à 100% quand je dois faire du sport et tout. Mettre de la musique et faire du sport en fait. C'est ce que j'aime le plus et je trouve que ça réveille mon organisme. Chacun est comme il est. Mais moi en tout cas c'est ce qui me réveille le plus. Si pendant une semaine je fais pas de sport, j'ai la sensation d'être une loque. Il y a quelque chose qui va pas en fait. Et le fait de faire du sport du coup ça me remplit d'énergie. Et ça par contre c'est top. Donc du coup oui, vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Oui, sans hésiter. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ouais ça... Je mets 1 point quand même parce que alors là, t'as toujours un gros con qui vient te faire chier. Alors désolé mon expression, mais t'as toujours un mec qui vient te faire chier alors que tu vas très bien et le mec te contrarie. Moi ça m'est déjà arrivé, ça me gave. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Oui, ça je suis d'accord, c'est toujours... Allez, 3, ouais, je suis toujours très organisée. De toute façon, tout ce qu'en termes d'organisation, ça c'est toujours nickel. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour le sentiment, pour les sentiments des autres? Non. Non, moi je suis quelqu'un qui reçoit... pas d'accord. Parce que j'ai pas de difficulté pour ça. Quand je vois que quelqu'un est pas bien ou un truc comme ça, enfin, je le ressens direct en fait. Donc je suis pas d'accord avec ça. Votre humeur peut changer très rapidement. Oh, alors ça... Ah ça, mais ça, voilà, c'est ça le truc. C'est que si quelqu'un me contrarie, en fait je suis trop contente. Il suffit qu'une personne foute sa merde. Et ça y est, on me dit mais vas-y, enfin... Va de l'avant, tu t'en fous de la personne ce qu'elle a dit. Eh ben non, moi ça me bloque et je suis en colère jusqu'à la fin de la journée. Ça c'est affreux. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. D'accord ou pas d'accord? Pour moi c'est d'accord à 100%. Je préfère dire à une personne ce qui va pas directement, quitte à ce que ça ne lui plaise pas, que de me dire ah mais attends si je lui dis ça va s'énerver. Donc moi je préfère directement être honnête avec la personne et lui dire écoute... T'es con. Vous êtes souvent envieuse des autres. Ah non, pas d'accord. Non. Moi, non. Enfin, sauf quand tu vois un mec avec une superbe Lamborghini, là tu l'envies un peu, tu fais ouais, hein. Ça va, hein, d'accord. Tout le monde n'a pas gagné au loto, ok. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Oh, je suis tellement d'accord. Oh, mon dieu que je suis tellement d'accord. Un bon Harry Potter, un bon livre au chaud,
C'est bien mieux que certaines soirées pète-pète. Hein. Et encore, certains jeux vidéo de qualité aussi, c'est top. D'ailleurs, il y a le dernier Horizon qui est sorti, mais c'est un vrai bijou, un pur bijou, il est magnifique. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Ah. Ouais. Pour moi, c'est ça, parce que développer un plan et s'y tenir, c'est vraiment ce qui est le plus important. Si tu t'en as rien à faire de ça, alors dans ce cas-là, pour moi, ça peut pas fonctionner à 100%. Vous ne laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. C'est un truc véridique ce que je suis en train de vous raconter. Depuis que j'ai emménagé ici, il y a des bruits super flippants, sans déconner. Hein. Et je me retourne, il y a énormément de vidéos où que vous ne voyez pas, qui sont cutées. Il y a énormément de passages à chaque fois où je me retourne parce que j'entends des bruits. Je crois qu'on va finir par appeler GuestDX, les amis, parce que on est pas à l'abri. On est pas à l'abri d'une connerie. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Ouf, pas spécialement, mais ça peut être rigolo. Allez. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Ah bah oui. Ça oui, parce que comme je vous ai dit, j'ai une façon de... J'ai une imagination débordante, donc du coup, voilà, ce genre de choses, ouais. Vous préfériez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Ah non, pas d'accord. Moi, je préfère passer du temps, par contre, sur un plan détaillé. Vous êtes une personne relativement calme et réservée, donc ça, je suis d'accord à 100%. Je suis pas quelqu'un d'extravagant ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leur objectif. C'est ça mon problème. En fait, je m'attache trop aux gens ou... Si, je suis trop gentil. Et ça peut... Ouais, ça, si, je suis trop gentil. Vous réfléchissez souvent en raison de l'existence humaine. Oui. Souvent. C'est vrai. Ça va. J'arrive à me tenir quand même. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Ah non, ça, je suis pas d'accord. En travail d'équipe, pour moi, il est plus important d'être coopératif que d'avoir raison. Ça sert à rien. Ça, c'est des coups à s'engueuler et ça part en cacahuète. Bon, je vais mettre un petit 1, quoi. Vous perdez fréquemment vos affaires. Alors ça, non, je ne perds jamais mes affaires. Sauf si je les oublie chez un ami. Mais du coup, sinon, je les perds jamais mes affaires. Vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Ah oui, ça va, je suis stable quand même. Hein. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Ça, c'est vrai, j'ai constamment des idées. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur... Ah non, je ne suis pas d'accord. Je suis une très grande rêveuse. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Non, ça va. J'ai pas de problème par rapport à ça. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Mon expérience, quand même, ça aide vachement. Donc, quand même, je vais mettre mon expérience. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens, c'est vrai. Pendant un temps, je me souciais énormément de ce que pensaient les gens et maintenant j'ai appris à ne plus me soucier de ce que pensent les gens parce que justement c'est à cause de ça qu'on peut pas s'habiller comme on veut, c'est à cause de ça qu'on peut pas se maquiller comme on veut, c'est à cause de ça qu'on ne fait pas les vidéos qu'on veut sur internet, admettons. C'est à cause de ça qu'on ne ferait pas de muscu parce que il y a des gens qui trouvent ça moche, d'autres qui trouvent ça beau, d'autres ah, ça te va pas à toi machin, donc je m'en fous de ce que pensent les gens, moi je fais ce que moi je préfère. Et voilà, basta. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le... Non, pas d'accord du tout, je vais vers les gens, quoi. Je suis pas non plus... pas d'amis, rien du tout, quoi. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je le fais direct. Vous vous sentez très anxieux ensuite dans les situations stressantes. Oui, c'est vrai. Alors ça, je suis d'accord à 3000%. J'ai vraiment tendance à être anxieuse à chaque fois. C'est pas des conneries. Dès qu'il y a des... Je sais pas, des événements très importants ou quoi, ça a tendance à me rendre anxieuse, effectivement. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être appréciée par les autres que d'être puissante? Oui, pour moi c'est... Moi, personnellement, tiens, on va prendre un exemple pourri, on va prendre YouTube. Je préfère n'avoir que 20 000 abonnés et être appréciée des 20 000 que d'en avoir 1 million, de me la péter comme pas deux, de me sentir puissante, mais j'en ai 1 million. Donc non, ça je préfère pas. Je préfère... être appréciée par les autres que d'être puissante. Vous avez, sauf dans un château. En cas de guerre et tout, dans un château, j'aimerais bien être puissante quand même. Vous avez toujours été intéressée par les sujets ambigus et typiques. Par exemple, livres, art, films indépendants. Oui, c'est vrai. J'ai toujours été intéressée par ça. Ça change un petit peu de ce qu'on connaît de base. J'aime bien. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Oui, c'est vrai. Je prends beaucoup d'initiatives la plupart du temps. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est ce truc? Votre type de personnalité protagoniste? Attends. Esprit extraverti? Eh, oh. Eh, vous allez vous calmer, hein?
énergie intuitif, nature, pensée, sentiment, tactique, jugement, identité, prudent. Oh la vache! Mais, attends, mais c'est quoi toutes ces phrases? Oh! Eh? Je suis Ben Affleck, Barack Obama, Oprah Winfrey. Eh ben dis donc. Alors attends, tout ce que vous faites à l'instant présent produit des ondulations externes et touche tout le monde. Votre attitude peut faire briller votre cœur ou transmettre de l'anxiété. Votre respiration peut envoyer de l'amour ou embourber la pièce de dépression. Bah, dis que je suis chiante, hein, tout simplement, va gagner du temps, hein. Votre regard peut éveiller de la joie, vos paroles peuvent inspirer la liberté, chacun de vos actes peut ouvrir le cœur et l'esprit. Oh, les... Je sais pas pourquoi ENFJ. Pour dire protagoniste? Non, je sais pas. Sont des leaders nés, pleins de passion et de charisme, ils constituent environ 2% de la population et sont souvent nos politiciens, nos coachs et nos enseignants. Ils tendent la main aux autres et les inspirent pour qu'ils accomplissent et fassent le bien dans le monde avec une confiance naturelle qui génère de l'influence. Les ENFJ ont beaucoup de fierté, de joie à aider les autres à travailler ensemble pour s'améliorer, améliorer leur communauté. Ils croient fermement aux gens. Je vais pas tout lire, je vais le lire off, hors rec. Donc du coup, hop, je vous mets comme ça, au cas où vous faites pause et vous lisez. Moi, je vais pas tout lire, sinon la vidéo va mettre 1 an et demi. Ensuite, hop, je descends, voilà, vous faites pause et vous lisez. Donc la lutte ne devrait pas nous décourager de soutenir une cause que nous considérons comme juste. Ouais, des personnes authentiques et attentionnées qui sont convaincantes et montrent de quoi elles sont capables. Et rien ne les rend plus heureuses que mener la lutte, unir et motiver leur équipe avec un enthousiasme contagieux. D'accord, ok. Bon, bah du coup... Ah, on peut... Sean Connery, Jennifer Lawrence, Demi Lovato. Eh bah dis donc, Daenerys. Mais de... Mais... Sans déconner, je pouvais pas rêver mieux. Lauren Lance. Ah, je peux pas me la blairer dans Arrow, celle-là. Pourquoi? Ah, bah ils ont tout cuté, hein. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Eh, Bones. Mais non. Ah, dis donc, il y a pas mal de trucs quand même, hein. Pas mal de trucs. Impeccable. Donc du coup, en attendant, j'espère vraiment que cette vidéo sur 16personnalités.com vous aura plu. N'hésitez pas à faire le test, tout est en description. Justement, faites le test et dites-moi dans les commentaires ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes politicien? Est-ce que vous êtes avocat ou autre? Je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, j'espère tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. Tout est listé en barre d'infos, ainsi que PSN, Steam et autres. Donc je te fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.